C'est pas l'hiver, mais c'est déjà l'hiver. Oui, puisque c'est l'hiver météorologique aujourd'hui, le 1er décembre. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer ces magnifiques paysages d'hiver hier du côté de la Haute-Savoie, avec du givre sur la végétation, comme ici aussi dans le Vaucluse. Alors, c'est vrai qu'on a la première offensive hivernale. On a eu quelques pluies verglaçantes durant la nuit, en tout cas. La vigilance orange est levée. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Mais quand même, on va rester prudent pour aujourd'hui, avec le retour de la neige à très basse altitude. Regardez sur les Vosges, encore le Jura, les Alpes du Nord, parfois des 300 mètres d'altitude. Et au-delà, on peut avoir 10 à 15 cm de neige, notamment des 600 mètres d'altitude. Un petit peu de neige aussi pour le Massif central et donc cette perturbation qui glisse un petit peu plus au sud, donc vers le centre-ouest pour ce matin, en allant du côté des frontières de l'Est. De la pluie en plaine, à l'arrière quand même le retour de quelques belles éclaircies pour le quart nord-ouest. Et puis tout au long de la journée en Méditerranée, on retrouvera un ciel quand même assez bien nuageux avec Mistral et Tramontane. Autour des 70 km/h en rafale, quelques gouttes de pluie cet après-midi entre la Côte d'Azur et la Corse, et puis toujours notre perturbation des Pyrénées en allant jusqu'aux Alpes. Regardez les températures. Alors c'est vrai que ça va un petit peu mieux pour ce matin, on aura un petit peu moins froid avec quand même du 0 degré à Strasbourg, moins 3 degrés en direction de Grenoble, 5 à Paris, température positive pour Brest avec 9 degrés, et dans le courant de l'après-midi, des températures parfois un petit peu justes pour la saison. Le minimum à Dijon ou encore à Strasbourg de 4 degrés, 9 à Paris comme à Lille, 10 pour Toulouse, 15 degrés vers le Pays Basque et 16 degrés le maximum à Ajaccio. Virgilia, ces prochains jours, on garde les écharpes, les manteaux et peut-être même les bonnets. Et peut-être même les gants. Ah aussi. Non, pas les voilà. Gants. Vraiment toute la panoplie hivernale, effectivement, avec des conditions qui vont rester bien froides, température en dessous des normales de saison. Et puis le parapluie aussi qui sera nécessaire par endroit vers le Massif central, les Pyrénées pour demain, vers l'île de Beauté aussi. Alors en Méditerranée, le soleil sera bien présent, mais au prix du vent. Fort Mistral et surtout Tramontane autour des 100 km/h. Une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne et qu'on retrouvera pour la journée de jeudi. À l'écart quand même le pourtour méditerranéen. Ce ne sera pas le cas quand même pour vendredi puisque cette perturbation va se décaler avec encore de la neige au programme. Température bien froide et regardez finalement samedi, dimanche et lundi, un temps qui va rester mitigé avec des températures en dessous des normales de saison.